Ficou 3 anos? 3. Bom, mãe pata pronto, 3 anos aí. Donc pendant la période, ça, il y a plusieurs activités qu'on fait ensemble. Et nous avons commencé avec la construction de l'école, avec le tremblement de terre, pour reprendre le nord-ouest. Et jusqu'à présent, nous avons continué à construire l'école, sauf que nous avons changé d'approche. Nous avons cette école nationale, nous avons reconstruit et réparé. Mais de notre façon, nous continuons à collaborer avec ASR. Donc, force ASR et Chita dans la question de les loyers. C'est un aspect très important parce que premièrement l'État joue un rôle et une responsabilité dans la question des fonds de droit immobilier. Mais en plus fois tout, nous trouvons facile pour dire que l'État pas joué un rôle, il va prendre responsabilité vie, parce que ce n'est pas seulement l'État qui a une responsabilité. Chaque monde a une responsabilité en tant que citoyen, soit grand monde ou bien petit monde. Donc nous bien content qu'il y ait quelques petits monde qui l'a joué bientôt, parce que ça c'est un vrai. On dit à ASR, nous faisons activité pour petit monde, même pas pour petit monde. C'est seulement grand monde qui chita dans ça là. Donc bien content nous l'ajouter. Et puis m'a encouragé nous avons toute la vie nous devant nous. Donc faire rêve et puis réaliser rêve nous. Nous avons un professeur de dîme qui a quitté l'école là, il a dit la vie c'est une promesse réalisée. Donc m'a encouragé nous tout pour faire rêve et puis pour réaliser rêve nous dans la vie nous. Donc, et on le fait encore à essayer de travailler nous faire dans la question de l'éloigner, c'est un travail qui est important. Et puis, je connais pendant l'histoire à nous, pour qu'on ait travaillé nous faire, ce n'était pas toujours facile. Donc, il y a quelques crises même qui étaient liées dans ASR. Et puis, le temps même de dire bonsoir, ASR a classe de cognac ou bien sorti plus fort. Donc, bien content, c'est deuxième année de l'ouest. Donc, on pourrait vraiment nous sortir plus fort dans la crise. Ça. Donc, félicitez-nous pour le travail que nous faisons et pour la façon dont nous utilisons l'occasion ça dans un sens pour venir une opportunité pour nous-mêmes de continuer à travailler nous plus fort pour défendre le droit du monde. Donc, le travail ça nous fait dans différents niveaux. Nous, ça nous fait, les doyens, c'est un niveau qui est très important. Le travail du monde dans la domesticité, gagner. Plus passer 207 000 timoun qui ont plus petit passé 14 ans qui a exploité notre travail à notre famille. Et si on prend un chiffre qui est plus haut pour vivre dans le moins passé 18 ans, c'est plus passer 400 000 timoun qui a la caille de notre famille et qui a exploité. Et non, ça, il dit, moun ça a fait, famille ça a timoun ça a retourné, restable. Ça veut dire que nous sommes en 2018. Haïti n'a pas qu'à continuer à supporter pour gagner quantité de timons qui ont exploité la caille, leur famille tant pour esclave. Nous n'avons pas qu'à continuer à accepter ce bagage. Et c'est dans ce sens ça, c'est dans ce sens pour nous déraciner pratique pour faire timon tourner esclave ça, que de slaves mettez ensemble avec votre partenaire pour soutenir le réseau à bas système restable. Nous-mêmes, nous croyons dans un modèle communautaire, côté familial renforcé pour qu'un petit monde la caille. C'est ça qui est le bon modèle. Mais tout, si la famille n'a pas de capacité, il faut que la communauté soit capable de faire solidarité avec la famille ça, pour capable aider au Québec sous des pieds. Et en plus, l'État doit être présent pour soutenir la communauté, pour les familles capables de faire la caille. Il y a un gros effort qu'a fait Konya, c'est le mouvement pour mettre les familles d'accueil. Parce que ce n'est pas tout le temps si nous sommes capables de rester dans la famille. Pour quelle que soit la raison, hein, parents ont mouru, pour quelle que soit, mais il doit gagner un côté si nous sommes en sécurité pour l'irriter. Et l'État doit contrôler comment un petit monde a déplacé dans la famille pour lui aller dans la famille. Il y a un pile progrès nous fait déjà. Depuis 2014, l'État haïtien prend une loi contre la traite de monde. Côté lui dit comme ça, pour quelle que soit la raison, depuis qu'on prend un petit monde pour mettre la caille ou pour exploiter, c'est un crime lié. Il fait catégorie la traite de monde. Ça veut dire depuis 2014, prendre si vous mettez la caille pour exploiter son crime. Mais malheureusement, depuis 4 ans, nous ne pouvons gagner aucun procès qui fait
pour ça me connaît, pour oublier aucune condamnation qui fait pour famille qui a expatrié le monde qui fait retourner sous forme la traite monde. J'en profite pour remercier le représentant de Free Slim en Haïti, la représentante de Churchill Service en Haïti, et Madame Gerda Alexis Macostant, l'une des fondatrices du réseau ASR Haïti, pour le travail accompli dans le cadre de la lutte contre le travail inacceptable des enfants en Haïti. Permettez-moi également de féliciter toutes les organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine de la protection des enfants. Cet événement revêt d'une grande signification dans la mesure où il se situe dans le cadre de la lutte pour l'éradication du travail domestique non acceptable des enfants défini dans le plan d'action du réseau pour l'année 2018-2020. ASR Haïti est l'unique réseau travaillant sur cette problématique en Haïti. Il renouvelle son engagement de travail en partenariat avec des organisations sœurs afin d'atteindre les objectifs dans les limites de son plan d'action. Dans nos communautés, disons mieux, dans toutes les communautés, qu'il s'agisse des milieux ruraux et urbains, en voie de défense des droits de l'enfant, la promotion des droits de l'enfant à travers la mise en application des cadres légaux par rapport à la protection de la défense des droits de l'enfant sont des thématiques qui participent au même combat. Faire bouger cette ligne et changer le contenu nous conduit vers des voies que les organisations nationales, internationales et les organes étatiques en matière de la protection des enfants, à eux seuls, ne sauraient pas vivre. La situation critique est à la faute des familles, plus particulièrement des enfants. Les enfants inquiètent tous les partenaires sociaux. Madame, Monsieur, le réseau ASR Haïti que je préside depuis plus de 3 ans est heureux d'annoncer la mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et de plaidoyer tenant compte des prescrits relatifs aux conventions internationaux et des projets de loi en souffrance au Parlement. Exemple, le Code de protection de l'enfant. Je tiens à souligner qu'à l'occasion de la nouvelle année fiscale 2018-2019, la priorité pour nous est la sensibilisation, la conscientisation et le plaidoyer sont les 3 axes qui intéressent cet auguste réseau au plus haut point. Ainsi, ASR Haïti met en application le plaidoyer pour l'application des lois, des conventions et des engagements prises par l'État haïtien en rapport avec les droits de l'enfant, aussi des projets qui visent les plus vulnérables et surtout les enfants travailleurs sont extrêmement importants. Sans oublier le projet de sensibilisation tout un renforcement de la famille et la fondation de l'État de la Nation dont nous rêvons tous. Permettez-moi de préciser, dans une autre registre, la volonté du réseau de se pencher sur la situation des enfants dans le domaine du travail domestique inacceptable après la ratification de la Convention 189 relative à l'élimination des pires formes de travail des enfants. Nous souhaitons une franche collaboration entre toutes les organisations intervenant sur cette problématique. La volonté, la bonne entente sont là. Nous restons à l'écoute de toutes les organisations nationales et internationales et nous sommes prêts à poursuivre ensemble le chemin pour le bien-être collectif des enfants. Je vous remercie.